Chers internautes, chers spectateurs, vous tous qui êtes présents et présents ici ce soir, bonsoir. Merci de vous être déplacés, merci à vous qui êtes devant votre téléviseur ou votre téléphone, votre iPhone, votre Samsung, votre smartphone en tout cas. Ce soir, nous sommes heureux d'être là avec vous, de partager ce moment qui précède un événement majeur ici en France. En région parisienne précisément, le vendredi 14 février, une date mémorable, une date fatidique, une date qu'on n'oublie pas chaque année, une date qui revient comme une ritournelle, mais une ritournelle douce à l'oreille. Et ce soir, nous sommes là justement pour en parler, pour parler de cette soirée. Et aussi, bien sûr, de la pièce maîtresse de cette soirée, l'artiste invité, l'artiste qui aujourd'hui représente l'une des valeurs sûres de la musique camerounaise et surtout le chantre de l'amour, celui qui parle mieux de l'amour au Cameroun, Dinabert, qui est là aussi ce soir avec nous. Mais autour de moi, je vais les présenter, donc à ma gauche, celle qu'on ne présente plus d'ailleurs, l'internationale Cécile Ndema, qui est l'organisatrice, la promotrice de ce spectacle, et à ma droite, Alain Ndicho, qui lui aussi est un promoteur du spectacle, mais qui occupe une fonction majeure pour cette soirée. Il est le superviseur général de cet événement. Et bien évidemment, à l'extrême droite, celui qu'on ne connaît plus non plus d'ailleurs, El Biazo, Roger Dissaquet, qui est le communicateur de cette soirée. Je vais donc passer dans un premier temps le micro à Cécile Ndema pour qu'elle nous parle de cette soirée. Cécile, pourquoi avoir organisé une soirée qui porte un thème aussi fort, la nuit de l'amour? Bonsoir, bonsoir. Merci, Esso, de me donner la parole. Alors, l'amour, l'amour. Oui, j'aime l'amour. Tout ce que j'ai de plus cher, c'est de l'amour que je peux donner. Donc, si j'ai choisi ce terme, c'est parce que je vois qu'il me va bien et que devant moi, et des personnes qui m'entourent m'apportent beaucoup d'amour. Donc la nuit du Fichique et de l'amour, c'est un concept très huppé dans la place parisienne. Et pour la quatrième édition, nous avons réfléchi tout ensemble, on a décidé de célébrer l'amour. L'amour dans tous ses sens, l'amour fraternel, l'amour amical, l'amour, que l'amour et rien que l'amour. Donc le 14 février à l'espace Noisy le Sec, l'amour elle sera célébré. Elle sera célébrée, le vivre ensemble. Autour d'un verre, on va partager ensemble l'amour les uns et les autres. Donc je suis très contente, la soirée elle se présente très bien, il y a beaucoup de réservations et on espère que nous serons top dans l'organisation parce que le premier critère du concept à succès, la nuit du Tichique et de l'amour, c'est la paix du public. Et le deuxième, c'est l'organisation. Donc, on est prêts, nous sommes au top, et nous sommes sûrs, mon équipe et moi, que nous allons assurer. Donc, la soirée, elle va être dévastatrice. Merci. Je vous dis, je vous souhaite tous la bienvenue. En fait, on va aller tout droit au but. Cette soirée de la nuit du style chic et glamour, c'est un esprit d'amour. On a préparé effectivement une équipe technique pour pouvoir apporter l'amour dès l'accueil. Donc dès l'accueil, on a prévu une sécurité de 10 personnes. Parce que vu ce monde, ce grand monde qui va arriver sur le salon de Noisy le Sec. On a prévu des hôtesses et ces hôtels sont dirigés par la belle Villet, que vous connaissez tous bien et que vous savez bien qu'elle fait bien son travail avec des hôtesses qui ont le sourire aux lèvres et par leur sourire, ils divulguent de l'amour. Donc elles vont se déployer sur le salon pour pouvoir vous accueillir. Donc, et tout ce monde dans l'accueil, dans la salle, sera vraiment supervisé par, à ma droite, Elias, qui est là, que vous tous vous connaissez sur la place parisienne, comme quelqu'un qui est très chic et de l'amour.
Et faites attention, je dis bien à mes invités, venez vraiment préparez-vous à venir parce que vous avez en face de vous des gens qui seront vraiment chics. Donc je demande à mes invités de faire vraiment du shopping. Parce que Elbiaz m'a fait un peu un petit clin d'œil là où il était. Il a pris un avion. Il est parti ici. Donc je voulais revenir sur le bain en disant que ne vous inquiétez pas. On a prévu des agents de sécurité qui sont là, qui vont commencer déjà par l'extérieur, parce qu'on a un grand parking, techniquement. Donc venez avec vos limousines. Et vous avez un parking où vous allez pouvoir parquer vos voitures. À l'intérieur de la salle, les agents de sécurité sont prêts pour tous ceux qui sont dans la salle. C'est-à-dire que comme tout le monde est vieille vie, il y aura des carrés bien sécurisés par les agents de sécurité. C'est pour ça qu'on a pris une dizaine de personnes pour cette soirée. Donc, soyez en sûrs, vous êtes tous en sécurité. Ensuite, je préfère vous le dire tout de suite. L'esprit de cette soirée, c'est aussi que on fête l'amour autour d'un très beau repas. Parce que nous avons prévu un menu digne de la Saint-Valentin. Vous allez découvrir sur place le menu. Et à 20h, le repas sera servi. Vous savez, on ne peut pas manger après minuit. Venez un peu tôt. Je demande à tous ceux qui vont dans les restaurants de ne pas y aller ce jour. Pour ceux qui sont prévus à venir ce soir, venez. Il y a un très beau buffet qui sera servi. Et vous ne serez pas déçus. C'est une spécialité camerounaise. Il y aura à l'entrée, il y aura le plat et le dessert qui sera soigneusement présenté avec de l'eau et des vins rouges offerts. Okay. Merci beaucoup. Alors, mais c'est jusqu'à quelle heure le repas? Il faut préciser parce que si les gens arrivent à 23h et qu'ils réclament à manger, ils seront peut-être déçus. Il faut peut-être le préciser dès maintenant, non? Oui. Malheureusement, le repas, il est jusqu'à minuit. Dans le buffet, on le ferme à minuit. Donc, si quelqu'un arrive à minuit, une minute, il n'aura pas de repas, malheureusement. Ce que je dirais tout d'abord, c'est que la réussite d'un événement commence par une bonne communication. Et je pense que au jour d'aujourd'hui, on peut s'estimer fier parce que la communication était très très bien menée. Il y a presque toutes les tables qui sont déjà occupées dans la salle. Donc ce que je vais dire au public, c'est d'être là tôt. Parce que les retardataires risquent d'avoir des sérieux problèmes, parce que nous attendons beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et par rapport à cela, nous sommes en train de nous organiser pour que la fête soit belle. Au niveau de l'accueil, il y aura des hôtesses qui seront là, il y aura le buffet, il y a une décoration haut de gamme qui sera mise en place, et il y a une équipe qui est en train de travailler entre les photographes, les caméramans qui seront là pour immortaliser cet événement. Je ne vais pas citer les noms des photographes, mais les meilleurs de la place parisienne seront là. Les caméramans, les meilleurs de la place parisienne seront là. Et pour conclure, il y a un DJ qui sera là. Entre deux, après le spectacle, avant le spectacle et après le spectacle, il y a un DJ qui va assurer jusqu'au petit matin. Un autre détail, c'est la nuit style, chic et glamour, dont nous tirons beaucoup plus l'accent sur l'élégance, la beauté et la classe. Soyez très très beau ce jour pour les hommes et très très belle pour les femmes. C'est ce que je peux vous donner comme conseil parce que la base sera très très haute. En fait, nous avons prévu en ouverture des rideaux, pendant le manger, Nadia et Deido qui vont avec des musiques et des belles mélodies. Et vous savez bien que sur la place parisienne, il n'y a pas meilleur, il n'y a pas meilleur que Nadia. Et elle sait bien aussi chanter l'amour, parce que ce sera dans le thème. Ce soir, on ne chantera que l'amour. C'est des consignes qui ont été données à tous ceux qui vont intervenir, que ce soit au DJ, que ce soit aux artistes.
chantera que l'amour ce soir. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le voyez, il est là en chair et en os et même en esprit. Parce que depuis le Cameroun, on a échangé avec lui. Il avait cette patience d'être là, de venir en France, de venir en région parisienne, retrouver ses fans. Ça fait quand même un moment qu'il n'est pas venu, Dina Bella. Mais il va vous faire un petit coucou. Bonsoir, Dina. Bonsoir, Praïs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. C'est Dina Bella, c'est pas parce que la casquette a changé. Vous allez peut-être croire que c'est le sosie de Dina Bella avec un chapeau. Non, c'est pas Zor lui-même. Alors, je voulais vous dire que je suis venu pour qu'on fête la journée de l'amour ensemble. Et je crois que vous tous vous serez là, puisque moi je serai là. Et je vous attends, j'attends tout le monde. Merci, ça s'applaudit ça. Hein? La nuit du style chic et de l'amour, c'est un concept. Et c'est le concept qui va avec tout en fait. Donc, les prestataires, les invités, tout le monde, c'est du chic et du glamour. Donc, là, nous sommes prêts. Et les invités, je pense qu'ils se préparent aussi. Merci. Oui, bonjour, bonsoir, c'est Dina Bella Bazor. Alors, je confirme que je suis déjà là pour qu'on soit ensemble le 14 février pour célébrer l'amour. Donc, ça sera à Noisy-le-Sec le 14 février 2020. J'attends tout le monde. Je t'attends toi aussi.